C'est vrai, j'espère que vous êtes tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo foire aux questions. Donc je vous l'ai promis, pour les 100 abonnés, nous allons faire la FAQ. Donc je vous ai laissé tout pile une semaine pour poser vos questions. Vous étiez très nombreux à poser des questions, donc il y en a certaines qui ont posé des pavés. Voilà, mais voilà, il n'y a pas de souci, je vais répondre à toutes vos questions. Normalement, si j'oublie pas le montage, elles seront affichées ici, là. Donc elle s'affichera si j'oublie pas au montage, bien sûr. Donc voilà, donc je remercie tous ceux qui ont participé pour cette FAQ. Donc je vous remercie. Donc il y avait le petit hashtag prise FAQ. Donc voilà, donc c'était plus facile pour saisir les questions. Parce que s'il y en a qui ne mettaient pas, bah, qui parlaient d'un commentaire au pif, bah voilà. Comme ça, je pouvais sélectionner plus facilement. Tout simplement. Donc du coup, on va commencer par la première question de Alix, donc à toi, donc hashtag Brice FAQ, as-tu une copine? Non, je suis célibataire, tout simplement. Parce que, voilà, je suis célibataire depuis 3 ans maintenant. Voilà, puis je suis bien comme ça, pour l'instant, je suis bien, je fais ce que je veux de ma vie, tout ça. Voilà. Si oui, comment ça peut-elle? Bah non, j'en ai pas. Et si tu devais choisir entre ta copine et ton setup, que choisirais-tu? Ne parle pas de ça, parce que j'ai subi il y a quelques années de ça, 3 ans auparavant, pour les vieux qui étaient là à l'époque sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo où j'arrêtais limite YouTube, tout simplement parce que j'avais une copine à l'époque, à ce moment-là, elle m'avait largué, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, et du coup, moi je voulais revenir vers elle, mais j'ai choisi d'arrêter YouTube, entre guillemets, sur un coup de tête, mais au final, quand j'y repense maintenant, je préfère limite, voilà, j'ai dit, c'était une connerie monumentale de vendre ton setup, etc., le micro, tout ça, mec, t'as dépensé des fortunes, tout ça, donc voilà, donc si je choisirais, ça serait plus le setup, voilà, pour l'instant, enfin, j'ai choisi le setup au final, dans cette situation-là, donc autrement, bah, ça dépend les circonstances. Si c'est une personne qui est là pour ce que t'apporte et qu'elle t'aime pour ce que tu es, et non pas pour ce qu'elle veut que tu sois pour elle. Donc voilà, donc honnêtement, ça dépend des circonstances. Donc voilà, donc merci Alix, j'espère que j'étais précis dans tes questions, pour les réponses. Donc voilà, donc merci à toi pour tes questions. Donc on va passer à une nouvelle question de Joga. Coucou à toi. Coucou à toi Joga. Donc hey salut, serais-tu prêt à faire un court métrage sur Minecraft? Personnellement, je me sens pas capacité de faire un court métrage sur Minecraft, tout simplement parce que ça prendrait extrêmement de temps, beaucoup de temps, et faut avoir un rendu de qualité que moi déjà j'en ai jamais fait, et puis je me sens pas capable d'en faire un court métrage Minecraft, même un court métrage tout court. Voilà. Donc je suis désolé Joga, donc non, je me sens pas prêt du tout en ce moment de faire un court métrage Minecraft. Voilà. Même sur n'importe quel autre jeu. Donc voilà, ouais, donc j'espère que j'ai été assez précis. J'espère que t'as pas été trop déçu de ma réponse, mais bon, c'est pas grave, au pire des cas. Donc voilà, donc coucou à toi Lina, donc prochaine question de Lina, une modératrice de la chaîne, donc pourquoi t'es moche? Parce que je suis moche, tout simplement, voilà, voilà, soit on assume, soit on n'assume pas, voilà, j'assume, etc., donc voilà, c'est pour ça que je me montre en cam, j'étais très très longtemps avant que je me montre en caméra, je me rappelle, il y a très, ça fait pas si longtemps que ça fait quoi, peut-être 4 ans que je me montre à la cam. Même avant, je crois, depuis 2013-2014, je me montre à la cam. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait Pokémon Noir 2, je crois, il me semble, en caméra, avec la facecam, mais c'était... Waouh, c'était collector. J'avais 2 PC à l'époque, un PC pour record le gameplay, et un autre PC pour record la facecam. Parce que j'étais un débutant de YouTube Gaming, donc voilà. À quand What Remains of Edith Finch? Bientôt. Quand, je ne sais pas, quand j'aurai acheté le jeu déjà demain. Et donc oui, c'est un jeu que j'ai dans ma liste de souhaits dans Steam, donc ce que je le proposerai cette année, je ne sais pas, peut-être en 2020.
On verra. Pour l'instant, l'année 2019 n'est pas finie. Donc il reste encore quelques mois, il reste encore, si je dis pas de bêtises, 5 mois. Donc voilà, donc, on a le temps. Donc voilà. D'ailleurs, faut que je finisse d'autres séries avant. Et voilà. Donc, et puis au bouclier. Personnellement, je suis plus pour bouclier parce que le légendaire de bouclier, pour moi, me hype plus que le légendaire de Pokémon épée. Pour moi, le légendaire de Pokémon épée, il est pas assez travaillé. Il tient juste une épée dans la gueule. Il dit what the fuck, c'est quoi ce délire? Voilà, il va faire une, je sais pas, une épée à la place de la queue, je sais pas trop quoi. Alors qu'un simple, une simple épée tenue dans la gueule du loup de Pokémon, du légendaire d'épée. Voilà, je préfère plus le légendaire de bouclier. Voilà, il est plus bâtard, donc je prendrais bouclier. Pour l'instant, je suis plus parti sur bouclier. Après, peut-être, on verra. Donc voilà, donc merci à toi Lina pour tes questions. Donc on va passer à la prochaine, donc à Linker Fighter. Est-ce que tu feras des randoms sur Pokémon? Oui, on fera des randoms sur Pokémon. T'inquiète pas, c'est prévu. Peut-être dans pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc ouais. Ouais, il y aura des randoms sur Pokémon. Peut-être sur toutes les générations de Pokémon. Pourquoi pas? On verra. Peut-être avec des challenges en plus, on verra. Donc voilà, donc oui, il y aura des randoms, c'est pas un problème. Peut-être pas, il y aura peut-être un cette année, peut-être plusieurs l'année prochaine, on verra. Donc merci pour ta question. Donc on passe à ZFox. Vas-tu faire du Fortnite V2? Fortnite, jamais. Faut jamais dire jamais, pour l'instant, non. Pas de Fortnite. Encore du Apex V2, je veux bien, mais pas du Fortnite. Je suis pas hypé par Fortnite. Donc voilà. Donc pas Fortnite. Donc désolé The Fox, je suis désolé pour toi. Donc on va passer aux questions d'AJSF, le bro, le poteau AJSF, qui est aussi modérateur de la chaîne. Comptes-tu refaire ton point mensuel de Brice Minus? Ah ah. Je ne dirai pas plus, mais attendez-vous à une... Alors, j'en dis trop, j'ai pas envie d'en dire trop, donc tu sauras ça dans quelques mois, tout simplement AJ, et vous les viewers, les abonnés, donc tu verras ça dans quelques mois, s'il y a le point mensuel ou pas, tu verras. C'est dans les projets que j'ai peut-être annoncé, dans les vidéos mises au point, j'ai annoncé des nouveautés, des projets, peut-être que ça fera partie des projets de cette rentrée de septembre, on verra. Quel jeu attendu le plus pour cette fin d'année? Zelda Link Awakening, bouclier Pokémon épée bouclier quand même parce que je suis un fan de Pokémon. Le Doom Eternal qui a l'air vachement badass. Puis voilà quoi. Je crois que c'est les trois seuls jeux que je m'attends le plus. Après il y a peut-être d'autres jeux que je connais, je sais pas trop leur date de sortie, mais voilà, donc il y a aussi beaucoup de jeux que j'attends en 2020. Comme Watch Dogs 3 et plein d'autres jeux. Donc voilà. Un premier bilan de ta reprise sur cette chaîne, satisfait ou pas? Très satisfait. Tout simplement parce que les vues sont plus homogènes qu'avant. Donc c'est en ce moment, depuis quelques jours, c'est un petit peu en baisse, mais j'espère que ça va reprendre d'ici là. Donc voilà. Peut-être parce qu'il y a trop de séries en cours et trop de vidéos, je sais pas. Parce que les gens. Et puis en plus c'est la période des vacances, donc c'est pas grave. Donc ouais, bon, je suis plutôt satisfait. En plus, même pas deux mois, on a les 100 abonnés et les 100 vidéos, ça c'est énorme, MDR. Là j'ai même pas fait gaffe, donc voilà. Petite transition aussi, il y aura la vidéo setup, j'aurai fini de refaire un peu la déco de mon décor, refaire les dispositions de mon décor, parce que il y aura peut-être une nouvelle étagère qui va peut-être arriver. Donc voilà, donc c'est pour ça un peu que ça peut être bordel en fond. Donc c'est pas grave. Donc je rajouterai aussi des petites lumières à LED, etc. On verra. Ensuite, petite question de Speed. Tu veux rejoindre la Force Corp? Non. Simplement, je veux rester tout seul de mon coin, faire des vidéos avec qui je veux, etc. Donc je veux pas rentrer dans une team. Voilà. J'étais un peu intégré entre guillemets dans une team à l'époque avec Chris.
Shinka, etc. Tous les vieux de YouTube de l'époque. Donc voilà. Maintenant, je vais faire des vidéos avec n'importe avec qui je veux, etc. Donc, j'ai pas envie de rejoindre une team, tout simplement. Quand tu fais des vidéos d'égustation, c'est pas mon délire. Donc, non. Bon, la troisième question, j'ai pas trop compris, donc on va laisser tomber. Donc, voilà, donc merci à toi, Speed, pour tes questions. Donc, non, je rejoindrai pas une team, mais je ferai pas de vidéo d'égustation, tout simplement, c'est pas mon délire. Donc, on va passer à Kylian, le modo de la chaîne. Donc, GG pour tes 100 abonnés, et quel avenir pour ta chaîne? Bah, l'avenir, continuer dans la même lignée, pourquoi pas apporter d'autres concepts de vidéos que j'ai en tête, mais j'ai pas forcément envie de vous dévoiler, tout simplement. Et des nouveaux projets en duo, donc oui, j'ai des projets en duo avec Badox, avec qui on a fait la saison des survivants, donc faut savoir que les survivants, c'est un re-upload. Donc ouais, on a des projets, on a même un nouveau... Non, j'ai pas envie d'en parler. On a un projet de faire une série en coop, hors Minecraft bien sûr. On a des gens communs qu'on peut se faire en duo. Donc voilà, donc ouais, il y a des duos qui vont arriver. Aussi sur Pokémon avec d'autres poteaux, etc. Donc ouais. Donc oui, Kylian, il y a des bons projets et l'avenir de la chaîne, je compte continuer dans la même lignée que ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à Lumios. Coucou à toi. Donc, tu attends quoi de Pokémon épée et bouclier? Honnêtement, j'attends que Pokémon épée et bouclier relève un peu la barre, relève un peu le niveau que Pokémon avait descendu depuis Soleil et Lune. Même si Pokémon Let's Go et Pikachu était fun quand même. Mais pour moi, c'est pas des jeux de la saga principale. Pour moi, c'est plus des spin-offs comme Pokémon Go, qui est un, entre guillemets, spin-off pour mobile. Donc ouais, pour moi, ça fait pas... Même si c'est un remake, entre guillemets, de la saga principale, mais pour moi, c'est pas vraiment un jeu de la saga principale. Mais bon. Voilà, donc oui, j'espère que ça va remonter, qu'on sera tous contents de Pokémon épée et bouclier, même s'il n'y a pas tous les Pokémon dans le Dex National. Pour moi, c'est pas vraiment un défaut en soi, parce que moi, je fais jamais le Dex à 100% dans les générations, je capture juste les Pokémon de ma team et puis basta. Donc voilà. Selon toi, est-ce qu'il pourrait rajouter à Minecraft pour la mise à jour, pour la prochaine mise à jour? Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter? C'est une très bonne question. J'allais dire plus de biomes comme font certains mods. Mais bon. Ou rajouter une nouvelle dimension. Comme Lizer ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Après, je sais que c'est long pour le codage. Mais bon, ça pourrait être fun que d'avoir un mode exprès pour aller dans des autres dimensions. Peut-être pourquoi pas une autre dimension. Un peu plus paradisiaque que le Nether, simplement. On a l'enfer, puis l'End, pour moi, c'est un peu une autre variante. Pour moi, c'est plus un endroit de chaos, je sais pas pourquoi, vu que t'as l'Under Dragon. Voilà, c'est un peu un endroit chaotique. On voudrait un truc un peu plus joyeux, comme le monde de l'Overworld, mais je voudrais juste une dimension paradisiaque, entre guillemets. Voilà, peut-être pourquoi pas d'autres biomes par l'avenir. Peut-être une nouvelle update de... Pourquoi pas la rajouter de nouveaux monstres, un peu plus badass, je sais pas. En fait, j'ai pas trop d'idées, mais bon. Rajouter une nouvelle dimension, pourquoi pas de nouveaux biomes. Je sais que l'update de la point 14 était pas mal non plus. Elle va apporter de nouveaux blocs pour la déco, etc. J'aimerais juste qu'ils fassent une update pour l'aventure, pour ceux qui aiment l'aventure comme moi. J'adore l'aventure de Minecraft, les survies, tout ça. Donc voilà. Où as-tu trouvé ta capture board? J'ai trouvé sur Markit grâce à NT, à Galius, etc. Donc tous ceux qui ont eu la 3DS capture board, j'aurais demandé aussi qu'ils l'avaient. Donc sur Markit, et il y avait un site japonais, mais je suis pas fan. Donc voilà. Donc
J'ai mis un mois, je crois, pour l'avoir, la 3DS Capture Board. Donc voilà. Donc voilà, donc. Mais bon, elle coûte très 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 cher. Ouais, elle m'a coûté 500 euros parce que j'ai acheté une 3DS. J'ai acheté une 3DS avec la boîte de capture en plus. Que j'ai pas envoyé ma 3DS XL Pikachu pour avoir la capture board. Donc non, j'ai acheté une console en plus. Comme ça, j'ai deux consoles, j'ai deux 3DS. Comme ça, je pourrais me faire mes échanges et tout ça. Donc ouais, c'est aussi pour ça que j'avais racheté une 3DS capture board aussi. Donc voilà, donc j'espère que j'étais assez précis dans les réponses. Toi, Lumios, donc merci quand même pour tes questions. Donc là, on va passer au méga pavé que m'a fait NeckJim, parce qu'il a fait deux commentaires. Donc, premier commentaire, pourquoi tu as 8 séries sur ta GL? Tout simplement parce que j'ai envie de la diversité. Donc, faut savoir que les survivants, c'est une série upload. Le Fallen Kingdom, c'est un re-upload qui est sur tous les deux jours. Donc, voilà. Donc, les survivants, ça continue. FK, ça continue. Donc, il y a un petit peu en pause, c'est les Simpsons et Square. Faudra que je reprenne les... Faut que je reprenne les lives sur les Simpsons, même si je suis pas trop motivé en ce moment. Square, faut que je continue parce que j'ai un peu de manque d'idées de construction pour les constructions, mais faudrait que je me reprenne la... faudrait que je reprenne tout ça. Ouais, tout simplement parce que j'avais envie, tout simplement, puis j'ai pas envie de me fixer de limite, franchement. Mais bon, même si ça impacte un peu les autres séries, comme Zelda qui arrive à un épisode par semaine, même des fois limite zéro. Comme certaines séries comme Square et les Simpsons. Donc il y a certaines séries qui vont se terminer comme Pokémon qui est sur la fin. Square on est sur la fin, mais il y a encore beaucoup à faire, comme la construction de la tour vers le haut. Parce qu'on avait avancé lors du live qu'on avait fait dessus. Donc voilà, donc 8 séries parce que je vais en vue. Puis c'est 8 séries maximum, je vais attendre que d'autres séries se terminent. Donc voilà. Est-ce que tu comptes faire des vidéos sur des jeux compétitifs comme Overwatch, League of Legends ou Apex? Overwatch, oui, je ferai peut-être des lives de temps en temps, faudrait que je m'y remette. Faudrait que je refasse un live où je redécouvre le jeu, parce qu'il a peut-être changé depuis, parce que depuis 2 ans que j'ai pas joué au jeu, il a peut-être changé. League of Legends, j'aime pas ce jeu. Et Apex Legends, pourquoi pas, on doit refaire des lives, parce que j'ai pas retouché depuis que j'ai fait la découverte du jeu. Donc voilà. Quand tu fais une vidéo où tu découvres Fortnite. Ah, la fameuse vidéo Fortnite. Donc pour l'instant j'ai pas envie de jouer, je suis pas du tout attiré par Fortnite. Franchement non, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'irai vers Fortnite, mais pour l'instant non, c'est pas prévu. Quand tu fais le nouveau Skyblock des Pixels. Personnellement j'ai pas le temps de m'accorder à faire du Skyblock. Donc voilà. Puis j'ai trop de trucs en ce moment, entre gérer la VRL, le taf, les vidéos, etc. Donc non, j'ai pas trop le temps. Tu fais une série sur un serveur PVP faction modé comme Palladium, skill PVP, etc. Pour l'instant, je suis pas attiré par la faction en fait. J'ai rien contre, mais je suis pas... Ouais, je suis pas attiré de ouf. Donc voilà. Non, je pense pas que je ferai du PVP faction. Je suis pas attiré. Je suis plus un joueur qui est... Je suis plus adepte du modé classique ou des survies classiques. En vanille, etc. Si un jour t'as vraiment beaucoup d'abonnés et que YouTube te paye vraiment bien, vas-tu arrêter ton travail IRL et continuer YouTube en faisant de gros projets comme ouvrir une boutique en ligne ou vendre un livre ou quelque chose comme ça? Personnellement, pour l'instant, moi je vois YouTube comme une distraction, un loisir, en gros. Comme d'autres font du foot, du handball, du sport, etc. Donc moi mon loisir c'est YouTube, faire des vidéos. Même si ça coûte très cher, parce que j'ai dépensé beaucoup pour avoir un setup que j'ai aujourd'hui. Donc vous aurez ça dans la vidéo setup qui arrivera d'ici la fin de l'été. D'ici quelques semaines. Donc voilà, donc si un jour YouTube paraît vraiment bien, je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, c'est pas facile à dire pour l'instant.
que pour l'instant je me vois pas être youtubeur à plein temps. Donc voilà, donc pour l'instant je peux pas te dire. Est-ce que je vais lâcher mon travail pour YouTube? Je sais pas. Peut-être qu'un jour j'ai arrêté YouTube, puis voilà quoi. La vie continuera. Mais bon, pour l'instant on n'est pas arrivé, je sais pas. Je peux pas te répondre. Autrement, est-ce que j'ouvrirai une boutique en ligne? Je ne pense pas non plus. Un livre, c'est pas facile à dire pour le moment. Parce que c'est que le début de la chaîne. Et je sais pas. Honnêtement, c'est pas facile à avoir des réponses pour un avenir lointain, en fait, pour TJ. Donc pour l'instant c'est flou, j'ai pas trop de réponses à donner. Pour l'instant je suis pas prêt de quitter YouTube pour le travail. Enfin quitter le travail pour YouTube. Je préfère faire l'inverse, quitter YouTube pour mon travail. Voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà quoi. Qu'en penses-tu de l'article 13? Est-ce qu'il te fait peur ou non? Honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c'est pour les droits d'auteur, pour les gens qui sont monétisés sur YouTube. Pour eux c'est très 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 délicat, parce que s'ils mettent une musique non libre de droit, elle saute la vidéo pour quelques petits passages. Voilà, donc pour l'instant non, enfin, je pense qu'ils vont revoir, parce que s'ils censurent trop les droits d'auteur, ça sera infâme sur l'internet en général. Donc voilà. Est-ce qu'un jour tu feras un vlog sur Pokémon Go ou Minecraft Earth? Déjà j'ai pas Pokémon Go, et Minecraft Earth je suis pas du tout hypé. Donc voilà. Pour un Minecraftien comme moi, donc non, je suis pas fan. Déjà je suis pas fan des jeux mobiles, d'être tout le temps en train de jouer sur mon mobile. J'aime bien jouer un coup de temps en temps, et des petits jeux sympas, etc. Mais non, je me vois pas. Si j'aurais joué à Pokémon Go, ça serait depuis longtemps, depuis le début de sa création. Mais non, non. Minecraft Earth, encore moins. Est-ce que t'as la hype? Pas du tout. Pas du tout pour Minecraft Earth, non. Je suis plus hypé pour d'autres choses. Pourquoi pas? Je suis plus hypé pour Minecraft Dungeon que Minecraft Earth, pour vous dire. Est-ce que tu comptes supprimer ta chaîne Brice TV renommée, celle où tu es maintenant, avec ton option pseudo? Non. Je compte pas renommer ma chaîne actuelle en Brice TV, simplement parce qu'il y a déjà le pseudo Brice TV, j'ai juste rajouté le play, parce que pour différencier l'ancienne chaîne de la nouvelle chaîne, simplement. Si je reviens en arrière, ça veut dire que je retourne dans le passé et j'ai pas envie. Ouais. Est-ce que je vais supprimer ma chaîne Brice TV quand j'aurai fini de reposter les vidéos qui me tiennent à cœur sur l'ancienne chaîne? Donc voilà, c'est-à-dire dans peut-être un an, deux ans, je sais pas. Voilà. Il faut savoir, j'ai pas mal de séries à vous reposter. J'ai encore, pour vous dire, pour donner un ordre d'idée, pour vous reposter les séries que j'ai actuellement sur l'ancienne chaîne, j'ai World of Tanks à vous reposter, j'ai les Survival Craft saison 2 et 5, j'ai Fallen Kingdom saison 2, j'ai Troll Kingdoms, entre guillemets, peut-être que je renommerai la saison, j'ai Captain Toad, j'ai... on va dire Top Gun, mais d'autres trucs comme ça, j'ai fini, etc. Donc ouais, donc j'ai encore pas mal de trucs à vous reposter. Donc voilà quoi. Et beaucoup de d'autres vidéos en général. Donc là, pour l'instant, c'est pas prévu que je supprime la chaîne, mais un jour elle sera supprimée ou... voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, t'as d'autres questions? Es-tu fan de manga? Si oui, lequel? Je suis pas fan de manga. Autrement, un animé qui est un peu manga, ça serait juste Yu-Gi-Oh! En animé. Mais autrement, non, je suis pas manga. Est-ce que tu regardes Stranger Things 3? Je connais pas du tout la cette saga. Ton meilleur jeu Zelda, Pokémon, Mario, Inazuma? Ton meilleur jeu? Bah, mon meilleur jeu, c'est pas les 4. C'est Jack 2. Mais autrement, parmi ces 3-là... on va dire ta meilleure licence, pour moi, ma meilleure licence, ça fait Pokémon, Zelda, Mario. Pokémon numéro 1, Zelda numéro 2 et Mario numéro 3. Parce que Zelda, parce que j'ai appris à aimer cette licence de par les let's play des youtubeurs que je regardais à cette époque. Voilà. Si on t'oblige... donc voilà, donc Inazuma Eleven sera quatrième.
Si on t'oblige de regarder l'un de ces trois mangas, Naruto, Dragon Ball ou One Piece, lequel regarderais-tu? Je préfère fuir, tout simplement. Parce que je suis pas fan de manga, je voudrais même pas regarder un mini-manga. Non. Comptes-tu ouvrir un compte Instagram pour les abonnés? Peut-être un jour, pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai du mal à m'occuper de mon Twitter, mon Facebook et de mon Discord. Donc, peut-être que je serai plus actif sur Instagram, on verra. Donc voilà. Peux-tu nous donner un teaser des gros projets que tu vas faire pour la rentrée? Donc en gros projet, entre guillemets, il y a une série coop qui va arriver d'ici septembre-octobre, on va dire, dans ces eaux-là. Et j'ai envie de dire un truc, mais je vais pas le dire. Donc il y a aussi notre style de vidéo. Donc voilà, donc ça rentre dans les projets. Voilà. Ton métier te rapporte combien? Assez pour vivre ou largement plus? Ou tu pourrais te faire... Bah honnêtement, j'ai un salaire correct qui me permet de vivre et de me faire plaisir de temps en temps, quoi. Honnêtement, voilà. C'est un peu le salaire qu'ont les smicards, quoi. Moi, je gagne, on va dire, 1400 par mois. Voilà, je dévoile mon salaire, donc on s'en fout. Voilà. Donc voilà, donc merci Nijim pour toutes tes questions, donc c'était assez long, mais voilà, il fallait y répondre. Donc ensuite, tu vas passer à Galos, donc c'est la dernière personne qui va poser des questions, donc... pourquoi tu as jamais fini la septième génération de Pokémon? Qu'est-ce que tu as pas aimé en cette septième génération? En fait, je peux pas te dire que j'ai pas aimé la septième génération, en fait, j'ai jamais fini parce que je me suis fait trop spoil, la 7G. Simplement parce qu'ils ont trop dévoilé de choses sur la 7ème génération. On savait presque tout avant la sortie du jeu. Puis voilà quoi, ça m'a pas vraiment emballé pour faire l'aventure. Peut-être qu'un jour j'ai peut-être voilà à faire. Donc c'était en plus, c'était dans le sondage de la 7ème génération. C'était soit la 7 ou la 5. Vous avez préféré la 5. Donc voilà. Honnêtement, j'ai pas vraiment... En fait, le truc que j'ai pas aimé à la 7ème génération, c'était les annonces qu'avait fait Game Freak à ce moment-là. Deuxième question, si tu devrais faire une totale découverte sur un jeu, lequel? Totale découverte? Bah déjà, ce serait... le prochain Zelda, A Link's Awakening, je l'ai jamais fait, ça serait une découverte. En gros, tous les Zelda, ça serait une découverte pour moi. Les Uncharted, ça serait une découverte, les Tomb Raider, pareil, les Assassin's Creed, pareil, sauf le début, que je connais un petit peu. Donc voilà. Quel est le Pokémon 8G que tu aimes le plus actuellement? Honnêtement, Starter O et le légendaire de Pokémon Bouclier. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. Est-ce que tu comptes faire un ancien Zelda, exemple Twilight Princess ou Wind Waker? Oui. Et même des très anciens comme Ocarina of Time, Majora's Mask, Minish Cap, peut-être pourquoi pas les Zelda 1 et Zelda 2. Pourquoi pas. Est-ce que tu regardes des séries à la télé, si oui lesquelles? Je ne regarde très peu la télé, donc non, je n'en pas de série de TV. Le seul truc que je regarde l'été, c'est pour Boyard, la télé, c'est tout. Donc voilà. Es-tu content d'avoir été aussi long dans Pokémon Emerald? Oui, clairement. Je suis content d'être arrivé presque à la fin du jeu. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fini Emerald. Justement, j'ai pas refait un jeu de la troisième génération à fond. C'est depuis Pokémon Emerald Plus, depuis 2016, que j'ai pas refait un jeu 3 jeux à fond. Voilà. J'espère même jusqu'au bout de la série. T'inquiète, la série va bientôt arriver à la fin. Il me reste deux épisodes à filmer, plus deux lives à faire. Donc voilà, le live final et le live de la maison des pièges. Voilà. Quelle est ta première console? Est-ce que c'était la PS2 ou la Game Boy Advance? Je ne sais plus. Bah, ma première console portable, c'est la Game Boy Advance. Et la première console de salon, c'est la PS2. Version Slim, je précise. Voilà. 9e question. Si tu devais
dire un souvenir sur un jeu Pokémon ou Zelda, lequel serait tu as un que tu kiffes? J'ai un souvenir qui est horrible. C'est quand j'ai refait la save de Jaune, de mon cousin, il nous avait prêté sa cartouche, donc sa save. Nous, on est arrivé à la route victoire, vu qu'on ne connaissait pas encore. On se rappelait plus trop de cette route victoire. C'était notre début sur Pokémon. Nous, on avait rouge et bleu, notre cousin avait jaune, il nous a prêté. Puis on avait décidé de refaire la save. Et du coup, on est arrivé devant Pierre, on n'arrivait pas à le battre, on avait Pikachu. Puis on savait pas comment le battre. Puis nous, en général, on jouait toujours avec notre starter, surtout. Voilà quoi. Ah, par contre, j'ai loupé une petite question. Qu'est-ce que tu voudrais voir dans Zelda Breath of the Wild? J'aimerais voir les sous-sols du château, là où c'est qu'on a eu le trailer. Voilà, tout simplement. Et voir le nouveau Hyrule, entre guillemets, qui était pourquoi pas reconstruit entre la fin de Breath of the Wild 1 et le début de Breath of the Wild 2. Donc voilà. Pourquoi mettre du rouge à lèvres? Je sais pas. Je remets pas. Peut-être que mes lèvres sont rouges naturellement. On sait pas. Voilà. Donc voilà, donc fin des questions. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette FAQ. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que vous avez pas mal répondu aux questions que vous avez posées, je pense, beaucoup. Donc voilà, donc je ferai peut-être une FAQ l'an prochain, peut-être dans 6 mois, je sais pas. Quand j'aurai envie de faire une FAQ, je vous ferai une FAQ, donc voilà. Donc voilà, donc du coup, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir posé pas mal de questions, et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure de la chaîne, donc... je vous reprécise pour la vidéo FAQ, ça arrivera d'ici mi-août, je pense, quand j'aurai refait un petit peu mon décor. Donc voilà, ça va arriver dans un petit moment, mais voilà. Donc voilà, donc du coup, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, et de vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, mieux c'est, bon, on peut rigoler, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour tout bien, et à la prochaine. Ciao, ciao.